Bien, après-midi, c'est au pareil? Au pourquoi? Ou on fait un signal? Ok. Après-midi, c'est un plaisir pour m'accueillir nous, encore une fois, ici, à l'initiative de la société civile, pour notre cadre de programme que nous gagnons pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Après-midi, nous allons aborder un sujet extrêmement important. En effet, depuis quelque temps, un pile monde a parlé dans le pays de un système qui arrivait dans le bout de lit que nous-mêmes Haïtiens nous avons besoin de changer. En pile monde, ils ont parlé de lit, ils ont surtout mis l'accent sur un système d'exploitation. Côté ça qui est plus fort, après ça qui est plus faible. Mais pas grand pile monde qui réfléchit sur mode de fonctionnement système. Et je pensais que y a un aspect de fonctionnement système, c'est le rapport qui gagne entre l'économie et la politique. Normalement, ça nous a souhaité. C'est que politique là, il t'a servi de guide pour l'économie pays, pour conduire l'économie vers la croissance, vers la production de richesses, production de biens, de création d'emplois, etc. Et pour t'a venir avec une croissance qui est inclusive, côté que tout le monde t'a capable de bénéficier de lui. Mais malheureusement, très souvent, ce n'est pas ça que fait, et particulièrement dans le pays pas nous. Parfois, c'est l'économie qui dirigeait politique là, n'est-ce pas? Et parfois, elle pas dirigée dans le sens de bien-être collectif là, dans le sens du bien commun. Alors, pour nous aborder question ça après-midi, nous gagnons un professeur émérite, un professeur extraordinaire qui est là avec nous. C'est Monsieur Bénédicte Paul. Le professeur Paul, il était d'abord fait un diplôme d'ingénieur agronome à l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, il est allé en France, côté que il fait deux maîtrises. Il fait une maîtrise en sciences des organisations et il fait une maîtrise tout en développement rural. Et ensuite, il continuait dans l'autre université, toujours en France, à Montpellier, côté que il fait un doctorat en sciences économiques. Et M. Paul, il travaille dans plusieurs organisations ici en Haïti en particulier. Il travaille, il fait des études, il fait des évaluations de projets pour plusieurs organisations. Parmi lesquels nous gagnons Caritas, nous gagnons Union européenne, nous gagnons ministère de l'Agriculture, nous gagnons CIRAD, nous gagnons l'OMPES. Bref, si vous nous avez cité toute organisation pour lesquelles M. Paul travaille, il fait des études, des évaluations, ça t'apprend nous en pile temps. Mais en plus de travail que il fait dans l'organisation SAEO, les publier certains livres, tout. Les publier dans différents domaines, parce que c'est un monde qui gagne une formation très diversifiée. En plus de différentes maîtrises qu'il fait, doctorat en économie, mais il étudie théologie, tout. Il même fait un certificat d'aptitude pédagogique. Donc, c'est pour vous dire la diversité de sa formation. Eh bien, il écrit plusieurs livres. Parmi lesquels il y a un ouvrage qui est l'éclairage pour Haïti, il y a un ouvrage sur l'identité haïtienne, qu'est-ce que c'est que l'haïtianité, il y a un ouvrage tout sur le vaudou tel que l'est diabolisé en Haïti, il même fait un ouvrage d'introduction au créole et il y a un ouvrage extrêmement intéressant, c'est le rapport entre la Bible et l'économie. Donc, c'est vraiment. Il y a un professeur, il y a un chercheur qui gagne en pile, bagaille pour le poté pour nous après-midi.
Donc, je dis à l'IPRAL traiter sujet ça, rapport entre économie avec politique, mais avec un titre, Entrepreneuriat et politique, un mariage pour le meilleur ou bien pour le pire. Est-ce que c'est pour le meilleur? Est-ce que c'est pour le pire? Eh bien, c'est lui-même qui va dire ça. Moi, je dis donc pour accueillir professeur Paul. Merci à nous toutes, merci à l'initiative pour la société civile, merci Monsieur Desroches pour l'invitation. Donc, merci vraiment pour nous avoir l'opportunité pour nous capables parler ensemble, puisque c'est une conférence débat. Voilà. Hier, ce n'est pas une conférence tout court. On ne peut pas considérer que nous avons un amphithéâtre et puis nous parler, mal faire autrement. Donc, question à poser, est-ce que c'est un ménage pour le meilleur ou bien pour le pire, entrepreneuriat avec politique. Bon, quittez-moi montrer deux, trois textes que je préparé pour comme pour guider ça n'a dit, hein? Tout ça n'a dit par la dernière et même si en français, ça va empêcher que nous parlions créole. Et heureusement, nous sommes capables de permettre peut-être nos deux langues officielles, c'est déjà beaucoup. Et nous avons fait vite pour nous garder plus de temps pour nous faire échange. Donc, moins de temps pour moi, plus de temps pour vous. Et d'autant que temps pour vous, on a partagé l'ensemble, pas vrai? Nous avons commencé par, comme tu as dit ça, cadrer. Ça nous voulait parler des liens, hein? Pour nous parler le même langage, comme ça, un débat qu'a fait, tant que deux mondes qui sont sur la même planète. Avant, pour nous envisager comment deux domaines, ça, yo, rapprocher, yo vin mette, yo, en tout cas, monde qui a sorti l'un dans l'autre, fait jonction. Hein? Et puis, avant, pour nous faire discussion, réellement, pour nous, qui risque, qui avantage, qui gagne dans. Un rapprochement, ça. Donc, c'est comme ça que je peux commencer. Et à nous, si, cadrer, ça nous dit entrepreneuriat. Bon, entrepreneuriat, nous ne pouvons pas définir, non, ce n'est pas une définition de ma baille. C'est plutôt pour me dire quelques considérations qui sont utiles pour ça me dire après. Hein. Donc, c'est vraiment orienté par rapport à ça me besoin, dis-nous. Et entrepreneuriat, alors, on a connu que le mot entrepreneur, son mot français avant de venir en anglais, il retournait en français avec l'autre mot. Mais le mot entrepreneur, entreprendre, donc c'est d'abord français. C'est une fonction, c'est une situation de un monde qui prend l'initiative pour entreprendre. Oui? Et qu'on y a depuis pratiquement 20 ans, gagné dans plusieurs universités de formation spécialisée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais pendant longtemps, tu as toujours créé l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout siècle avant, les gens ont toujours créé l'entreprise, pris l'initiative, créé des richesses, etc. C'est ça qui fait au vivre. Hein? Depuis quitter la chasse et la cueillette, les gens sont obligés d'entreprendre. Sauf que nous ne pouvons pas étudier comme domaine. Il n'y a pas de domaine d'études. Quand on y arrive en domaine d'études, les gens ont fait licence, maîtrise, même doctorat dans le domaine de ça. Mais en général, c'est pendant qu'il y a entrepreneur, il y a vu connaître ça qu'entrepreneuriat. Elle dit que nous avons retrouvé l'entrepreneur parce que la fait activité et entreprise. Donc ça, nous relève en français apprendre sur l'état. Mais, et c'est une bagaille, il faut faire un peu de recherche sur le Konya, quoique débat fait pour déplacer le focus là, sur l'entrepreneuriat pour le mettre sur l'autre bagaille. Pendant longtemps, c'est. Il a analysé le caractère moun qui est entrepreneur. Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, même si nous ne sommes pas obligés de dire que moun nan fait entrepreneur, mais quand même, il y a des qualités moun nan gen lui-même. Soit le fait avec ou soit le trouvé dans l'environnement, parce que vous remarquez, par exemple, moun qui fait dans la famille, côté qu'on entreprend, ils ont plus forte chance, n'est-ce pas, pour lui entreprendre. Et maintenant, le cas d'Haïti montre ça, pas des données empiriques. Hein.
son monde qui doit d'innovation. Alors, mon salaire dit innovation, son gros mot français, c'est, dit anglais tout, mais du créole évidemment, c'est capacité pour un monde venir avec un bagage qui est nouveau et qui est utile. Attention, pas seulement nouveau, non? Toute nouveauté, pas innovation, d'accord? Donc, ça veut dire derrière mon angle de créativité, il est capable d'imaginer un bagage qui pas là, mais l'olvin là, mon cher, mon bien content là. Il a prendre mon service. Et pas seulement innovation, mais sérendipité. Parce que, comme nous dit, à la base, c'est un art qui est lié pour entreprendre. Et sérendipité, ça veut dire, là, on a une capacité pour rendre compte que tel bagage utile, tel bagage important, tel bagage utile, alors que il pas te gagne l'idée à ça. Dans le domaine de la créativité, on dit que y a un monde capable de chercher un bagage qui est nouveau, mais il doit tomber sur un autre bagage qui est nouveau et puis il ne peut pas même prendre. Donc, le monde ne sait pas que c'est en difficulté. L'homme, on a un tel bagage, dit, oh, monsieur, regarde un bagage qui est là. Ou bien, monsieur, dame, n'est-ce pas? Ça, c'est en difficulté. Capacité à détecter quelque chose qui est nouveau et qui est utile. Et ils sont leaders, tout le monde qui est entrepreneur. Leader dans le sens que si l'entrepreneur crée un business, une entreprise, si crée une entreprise, à un moment donné, il n'est pas capable de faire le marché pour compte. Il faut le ramasser ressources matérielles, techniques, technologiques et humaines. Et nous garantir ressources humaines, il est plus difficile pour gérer que toutes les ressources qui gagnent. Parce que ce sont des ressources qui, eux-mêmes, ils pensent tête, là, de la sociologie. Souprend. Ordinateur, on dit le fait tel bagage. La fait tel bagage, il va poser des questions. Pour qui ça, monsieur, dit tel bagage qu'on fait? Ouais, on employé, l'on dit le fait tel bagage, il pose des questions. Ça, chef, là, il est dans la tête lui-même. Ouais. Donc, son leader, son gestionnaire. Et, daddy manager, même ta, quitte gestionnaire, parce que la gérer ressources, toute qualité ressources. Et, Wall Moon dans la société, extrêmement important. D'ailleurs, très bonheur, ils ont. Économiste que tout le monde qui étudie économie suppose qu'on est, qui est Joseph Alois Schumpeter, c'est un Autrichien, il dit développement économique, c'est entrepreneur qui fait. Mais pas n'importe qui entrepreneur, sont entrepreneurs innovateurs. C'est bon, c'est pas juste un monde qui a mimé, qui a copié ça que tu as déjà. Son monde qui a venu avec des bagages nouveaux et puis qui est capable, très utile. Il y a un exemple après Schumpeter, c'est Steve Jobs, il y a quelqu'un qui est content de parler de ça. Ou pas prendre compte de l'école que tu as mouru très jeune. Steve Jobs a créé, il a bricolé dans l'atelier une machine. Et puis il dit, il a une machine qui est solide. Comme si même si tu as tombé, vous comprenez, c'est une machine robuste. Et après, ça nous est le Maclan, Macintosh. Ou pas même besoin de faire mail vraiment, ou mettre juste, de vous presser pour une machine dans faire mail. Couvre l'école, remarcher sans problème. Ils sont tombés 3-4 fois, ouvrir les marchés. Les robustes. Et là, Steve Jobs a créé, ça a besoin de créer. Il n'a pas fait étude de marché. Il n'a pas jamais fait étude de marché. Il pensait que les gens n'ont pas ça au besoin. Ouais, c'est un monde qui a une créativité énorme, son génie en fait. Mais chaque salle créée, les gens ont rendu compte, mais qui jamais fait à vivre, je ne pas utiliser tel bagage. Est-ce que vous comprenez? Dans la société, un entrepreneur a créé job pour l'autre monde, il crée job pour tête tout évidemment, mais il crée pour l'autre monde, il crée richesse pour tête lui, il crée richesse pour l'autre monde tout. Tout le monde qui a travaillé avec lui, évidemment. Nous qui est-ce qui est plus riche dans tout le monde. Donc, au final, un entrepreneur, c'est un monde qui a maximisé, pour parler en termes économiques, il a battu pour gagner le plus possible, pas vrai? Un profit pour tête lui d'abord. D'accord? Pour employer tout, mais le premier objectif, ce n'est pas quand même pour employer, c'est peut-être lui. Pendant la fête, il fait plaisir, il fait l'autre monde plaisir. Nous avons demandé à Adam Smith, il a dit nous ça. Il dit, c'est pas parce que boulanger en remet nous en pile, qui fait le pain pour nous manger, c'est parce qu'il a besoin de mettre comme dans la poche. Li. Sauf que pour le mettre comme dans la poche, il faut le travailler dur pour le faire payer, et pour le faire dans la nouvelle, nous acheter, et puis nous balle pour nous mettre comme dans la poche. Li. Parce que pas qu'à faire comme dans la poche, c'est pas qu'à vaincre la pesanteur.
Hein? Donc, comme ça que la pesanteur, c'est une force qui a braillé toute bagaille pour ramener vers le centre de la terre. L'on l'a dans la poche. Si c'est la pesanteur qui a braillé, vous connaissez qu'il n'y a pas de poche là, parce que, sauf si poche est trouvée. Hein? Donc, il faut faire que mon nom léger pour que l'argent ça monte sur notre poche. Donc, c'est entrepreneur, c'est ça l'a fait. La barou yon bagay, et li fè ou, enfin, li, la barou yon bagay que vous même estimez ou besoin. Ou estimez, hein? Ça arrive qu'on pas besoin du tout, oui, mais pendant qu'on va acheter, hein? Ou on nous compte qu'on a besoin. Quitte à ce que vous mettez blanc dans le ou pas jamais mettre encore, mon paye quand même. D'accord? Ça, c'est entrepreneur. Entrepreneur tout court, d'accord? Et politicien. Politicien lui-même, son métier. Moun pa fait et pour politicien. Alors, ce qu'on a fait, ou son entrepreneur. Normalement, alors que moun ka apprend entrepreneuriat sans ou pas étudier rien du tout, parce que gampil nan nou la, nous même nous fait études, et puis parents nous pas fait études du tout, et puis c'est plus gros businessman passé, non? Pas vrai? Nous comptons ça très bien, donc nous n'avons pas besoin de chercher dans le livre pour nous mettre illustration ça. Son bagay, normalement, moun apprend le métier ça, politicien. Mais, vous pouvez supposer improviser pour une politicien. Ou bien, alors, quand improviser, mais il n'y a pas qu'à totalement improvisation. Parce que quand même, il y a des gens qui ont une capacité plus par son lot pour développer des choses de par lui-même. Parce qu'à un moment donné, si je me dis qu'il faut apprendre nécessairement, je n'ai problème à poser. Parce que si vous remontez à premier monde, vous dit comment faire apprendre lui-même. D'accord? Parce qu'il faut que lui. Il faut commencer à côté. Ça, pour nous connaître, c'est que. Alors que l'entrepreneur lui-même, c'est comme lui l'a cherché, le politicien, il doit d'empathie. Alors, moi, empathie, ça veut dire capacité pour apitoyer sous à partir de souffrance en l'autre. C'est-à-dire que si on moun bon poto lan a souffri, ça touche ou tout. Ça il est empathie. Il semble en pile avec sympathie, mais ils ont des gens différents. En fait, il fondé sur la twist parce que son moun qui pas travail d'abord pour faire l'autre monde plaisir, pour faire l'autre monde du bien. C'est ça qu'a guidé, c'est le sens du bien commun que tu as dû guider. En tout cas, nous prenons un sens absolu, hein, théorique. Son leader lié tout, même avec gestionnaire, même avec entrepreneur, mais ils sont communicateurs parce que client lié au plus. Ouais, si on monde son boulanger, il fait, il a travaillé pour monde qui a mangé pain et pas pour toute la population. Alors, vous connaissez, nous travaillons avec un peu de monde qui monte entreprise depuis ces dernières années, hein, je prends un peu, enfin disons pas prendre le relais, mais je soulage Kessner. On travaille dans l'entrepreneuriat parce que il fait ça depuis l'homme même des jeunes garçons. C'est pas pour vieillir Kessner, non? Attention. Là, avant que dans l'université en 1999, Kessner était déjà parlé depuis très longtemps de l'entrepreneuriat, des technologies. Je ne vous dis pas fait. Nous avons un pile. Respect pour nous gagner pour Puerto Rico, garçon, ça. D'accord? Haïti, c'est l'homme n'a pas là, oui, il a dit, il était bon. Il n'a pas dit ça devant. Politicien lui-même, il a une clientèle qui, c'est toute la population. Et le pire, même l'international a gardé tout parce qu'il y a la coopération. Contrairement à un entrepreneur qui est client, monde qui est intéressé à bien là. Il dit, ni monde qui n'est pas intéressé à l'action politicien, politicien doué sentir le conseil des valeurs. Ouais. Donc c'est ça qui fait communication extrêmement important. Wally, il y a un rôle dans orientation et redistribution richesse. Alors ce qu'entrepreneur lui-même, c'est produit richesse. Non? Un politicien pas forcément produit richesse. Mais il y a un rôle dans qui richesse qui prioritaire pour nous produire dans la société ça. Orientation, n'est-ce pas? Qui gens pour richesse ça redistribuer? Parce que vous avez droit à produire richesse dans le pays, mais politicien gen droit à dire, ah, vous produisez pain, c'est vrai, mais écoute, si vous avez famine là, pain c'est pour tout le monde. Je vais appeler un texte comme ça, côté que, à un moment donné, je c'est dans le code pénal, je vais appeler ça. Je me suis mis au doigt pendant que le pays est bloqué. Et que, je vais déclarer que bien, un bien que tu es privé,
il tombe dans le domaine des biens communs parce que c'est cas des forces majeures. Quoi. Donc, c'est un monde, ça l'a maximisé, hein, c'est un bien-être collectif. Nous avons dit un profit collectif. Tout. D'ailleurs, c'est le terme profit collectif que nous avons utilisé, Fakini et moi, et dans un article que nous avons écrit ensemble. Fakini, c'est un professeur à Paris, dans l'université française. Est-ce que nous avons jusqu'à maintenant entrepreneur a maximisé un profit privé, il dit peut-être lui. Politicien a maximisé un bien-être collectif pour la collectivité. Ça veut dire que lui-même n'a pas maximisé un profit pour lui tout, mais il fait partie de la collectivité. Nous sommes d'accord avec ça. Right. Donc il a maximisé un bien-être collectif. C'est ça l'objet qu'il a maximisé. Quand il y a deux chances à vous rapprocher, et ça c'est un phénomène. Dans le cas d'Haïti, je t'ai dit le nouveau. Mais sauf que, alors, je dis ça avec toute précaution. Parce que quand on est jeune, on est limité dans le temps. Et l'histoire n'est pas écrite du point de vue économique. L'histoire économique d'Haïti n'est pas écrite de manière complète. Il y a des livres ou quoi qu'on peut dire. Mais dans une bonne université, une bonne faculté d'économie qui consacre l'économie d'Haïti, à un moment donné, là, pour enseigner l'histoire économique. Histoire des faits de la pensée économique d'Haïti, là pas le problème. Hein? Là pas obligé de monter dans l'histoire générale, n'est-ce pas? Pour le Ricardo chez les Anglais, mais en Haïti, il y a des gens qui ont pensé économie, tout, sauf que nous ne pouvons pas mettre ça sur papier pour nous transmettre la génération qui a venu. Et dans plusieurs pays, il y a un rapprochement qui fait en deux champs. Ça veut dire que, en fait, si nous regardons depuis 2010, nous avons une période ça, disons, prend un risque, oui, les m'a dit ça, mais quand même, n'a pas donné pour risque ça, parce que yon moun ka dit, ah, mais ça, dit là, dans les années 1900 et quelque chose, te gagne tout, n'est-ce pas? Et sauf que dans la période récente, là, à partir de 2010, nous, on arrivé de un rapprochement entre deux champs, mais dans l'autre pays, il fait tout, c'est pas comme si nous pas extraordinaire, nous laisse arriver. Et Berlusconi, c'est un gros businessman qui est entré dans la politique en Italie. Et dans pile d'autres pays, hein, côté que c'est un businessman qui arrive jusqu'au sommet de l'État. Ça qui est plus proche, ça qui ressemble, quoi, c'est Donald Trump, pas vrai? Qui sortit dans le business, qui a monté directement dans le président, sans pas passer par aucune étape. Nous, là, nous avons un exemple, pas vrai? Sans pas passer par aucun état, tout le business a tombé dans le business de l'État. Pas vrai? Hein? Non, je ne vais pas nous parler de ça. Donc, tout est tout des niveaux. Niveau administration centrale, niveau territorial. Je ne pourrais que moi-même, dans la tête, moi, c'est de l'État gagné, de l'État territorial, de l'État central. Hein? Sinon, nous ne pouvons pas faire le développement par le centre uniquement. Et il y a un pile maire qui est businessman avant de venir maire. Au niveau parlementaire, d'ailleurs, c'est une raison que tu as fait d'écrire le texte là, sur l'entrepreneuriat politique. C'est parce que législature avant, ça a parlé là. Tu es conseiller monsieur dans le parlement qui dit ouvertement dans la presse qu'il est aussi entrepreneur politique. Je dis, oh, mais qui ça vous voulez dire par là? Et puis, mal regardé, au niveau de la connaissance scientifique, il y a une expression à vraiment. En Angleterre, il parlait de ça, en France, il parlait de ça, en Italie, il parlait de ça. Et puis là, nous gardons avec le professeur français, justement, pour nous être capables d'avoir une vision de deux continents, Europe et Amérique. Nous rendons compte que ce n'est pas si mauvais que tu as un entrepreneur politique, mais dans le cas d'Haïti, c'est ça nous voyons, ce n'est pas exactement ça. Et je vous dis, nous avons des cas. Alors, mon anglais a venu flagship, je ne sais pas comment tu as dit ça, c'est des cas comme si, qui c'est cam. Qui vient dans la tête de tout le monde. Hein? On a dit Jerry Tadieu, on dit son businessman qui allait dans le parlement, pas vrai. Mais grand pilote. Hein? Et au niveau président, depuis 2010, ce n'est pas seulement président Moïse, c'est depuis 2010, n'a pas de président qui a l'élu. Alors que dans le business, il a tombé. Non? Donc, en regardant, donc deux aspects phénomènes. Non? Premier aspect, il y a un politique qui a maximisé. Profit collectif, donc c'est ça, nous les entrepreneurs politiques, donc il y a un texte, nous écrit sur ça, mais dans l'autre pays, il y a un texte qui écrit sur ça tout.
c'est le texte avec Fachini, hein, François Fachini. Si nous lisons le texte, alors le texte, pour la plupart, nous allons lire gratis, donc nous n'avons pas besoin de payer. Nous allons monter sur Internet, là, nous joignons. Peut-être nous allons quitter une copie de texte en version PDF, sous clé dans l'ISC, tout, comme marché. Deuxième phénomène que nous étudions, alors l'un de nous étudiants, moi, personnellement, participé dans l'étude, donc l'entrepreneur politique, et le deuxième, c'est l'entrepreneur politicien. L'entrepreneur politique, c'est, on, comme c'est dit, son monde qui est dans le champ politique là et qui pratique l'entrepreneuriat. D'accord? La maximiser en profit collectif. L'entrepreneur politicien, c'est un entrepreneur, à la base, qui rentre dans le champ politique là. Je ne vais pas pour me confondre nous net pour nous pas avec nous. Il y a un politicien qui a un entrepreneur politique. Mais entrepreneur politicien, c'est un entrepreneur qui allait dans la politique. C'est à faire mettre politicien, et pas politique. Un entrepreneur qui investit champ politique. Il dit grand dans le champ politique. Dans le cas d'Haïti, nous avons plusieurs mondes. Mais justement, c'est à leur risque et péril, et n'a pas regardé ça. Donc, premier questionnement, c'est ça qu'on dit quand même. Le phénomène nan, en bas de nous là, c'est soit nous en négation des faits, ou alors que nous considérons faire pour ça, vous voyez, pas vrai? Hein? Donc, sciences sociales, justement, c'est ça que vous cherchez faire. Si fait en là, nous ne pouvons pas ignorer les. Hein? Donc, nous commençons par poser nos questions. Et on est en droit de se questionner. Dans un pays, côté que, en général, politiciens avec businessmen, c'est dialogue de sous que vous faites. Alors, dialogue de sous, hein. Il y a deux dimensions possibles, pas vrai? Enfin, au moins deux dimensions. Soit vous faites exprès à faire dialogue de sous, ce n'est pas des vrais sous, pas vrai? Soit c'est des sous réellement capables entre eux, pas vrai? En général, c'est comme ça lié. Ou alors, c'est un dialogue entre ignorants, mais ignorants dans le sens propre terme, non, pas dans le sens. Un peu vulgaire dans le sens pour ignorant, dans le sens c'est le monde qui ne connaît pas. Bagage, d'accord? Et nous n'avons pas besoin de vexer si on a dit nous ignorant, parce que tout le monde ne connaît pas le bagage, d'accord? Nous avons un bon domaine quand même que nous ignorons. Donc, nous sommes capables de poser une question. Si le rapprochement s'est fait, qui bénéfice? Qui ça s'apprend le bail? Qui bénéfice ça bail? Tout d'abord pour nous, mais quand même, pour nous tous dans la société. Donc, cette question, ça, moi-même, je viens d'essayer. Débattre avec nous. Qu'on y a, nous connaissons de qui ça m'a parlé, nous connaissons qui question qui t'est passée dans la tête, moi, évidemment, ou même que j'ai une autre question qui passe dans la tête, mais on nous commence d'abord pour nous considérer la question ça, après ça, on a considéré la question qui passe dans la tête, tout, pas vrai? J'espère que nous d'accord. Et nous-mêmes, l'on a fait recherche, nous pas aller sous terrain totalement, que, comme si nous n'avons pas aucun repère du tout. En venant sous terrain, nous gagnons appréhension, nous gagnons bagaille dans la tête, nous. Nous relèvons ça hypothèse. C'est-à-dire que, là, nous posons des questions, nous disons, mais d'après ça, nous connaissons déjà ce sujet, ça, l'humanité entière, hein, d'accord? Et d'après ça, nous-mêmes, nous comprenons des sujets, ça. Mais qui réponse qui fait sens? Nous ne pas regarder qu'on y a, est-ce que ces réponses sont liées, d'accord? Hein? Pour apprendre à chercher, c'est comme ça, nous avancer dans le domaine de sciences sociales et en pile l'autre science. Donc, il y a un autre qui nous dit tête, nous, c'est soit son imposture intellectuelle. Alors, il y a un cadre dans le dictionnaire. Imposture, c'est là où on fait tête passer pour un bagage qui paye. D'accord? Pardon? Entre imposture et volontaire. Alors, ça, juriste, il y a un autre terme utilisé pour ça. Ou bien un monde qui fait une ressource passer pour ça le payer. Donc c'est par exemple un ressource. D'accord. Et ou alors son volontariste, ça veut dire que monde a envie évoluer, d'accord? C'est comme si monde a montré que il était vrai tel bagage, pas vrai? Donc prêtez nos bonnes intentions, pas vrai? Et nous dit que généralement rapprochement entre deux champs ça, en tout cas, n'a pas les pour cas d'Haïti, d'accord? Il aboutit à un échec.
et ça nous pas laisser montrer échec ça à la fois au niveau personnel dit moun qui prend initiative pour lui et fait gens qui fait transition alors mot transition pas transition politique non sorti dans un bagage dans champ allant l'autre là qu'on y a moyo vide de sens et obligé prendre pile précaution de m'a parler pas vrai pour me pas dire des bagages c'est pas ça me devrait dire moun comprendre. Donc là, même transition, c'est transiter de champ entrepreneuriat à champ politique. Là, parce que quand même, pour transiter existait, donc nous ne sommes pas capables de totalement changer de dictionnaire. Parce que nous avons la Rio décidé, ce n'est pas comme ça qu'on va faire dans le domaine de connaissance. Ou bien, mais aussi au niveau de la collectivité. C'est-à-dire que nous supposons que c'est un échec, ni pour nous, ni pour la société. Et nous allons regarder, est-ce que c'est ça lié. Et au même tout, je suis que nous avons une idée en tête depuis qu'on y a. Et c'est ça m'a parlé là. Kounia, on nous fait quelques observations. Premièrement, nous dit entrepreneur sont monde qui cherche à maximiser un profit privé. Pour lui-même, notamment dans chance dans sens capitaliste. On business nous pas besoin honte, nous pas besoin peur moyo non. Surtout là n'a prononcé avec une bonne intention, pas vrai? C'est capitaliste pas gagné pour nous payer là-dedans. C'est le bagage, c'est capitaliste sauvage là, qui posait quelques problèmes, n'est-ce pas? Notamment de durabilité et d'équité, n'est-ce pas? Mais gagné, moun kap maximiser un profit privé, mais c'est privé pour un groupe social. Tant que ma travail qu'on y est là avec des moun kap défendre les droits des aveugles, pour yon capable, pas des aveugles, des handicapés globalement, pour yon capable exercer des activités. Parce que champ entrepreneuriat handicapé, par le handi-preneuriat, nous pouvons réfléchir en plus sur ça. Les chercheurs pouvons travailler en plus sur ça. Mais quand même, après 12 janvier, il y a un pile de monde qui est trouvé avec un certain handicap, mais qui, c'est des agents économiques qui sont capables de produire richesse. Pour que ça pour nous priver la société de production potentielle, nous avons gagné, alors que nous devons au service. D'accord? Donc, ça nous relève ça, entrepreneuriat social. Bon, il ne faut pas confondre un entrepreneur avec un manager. Ou capable de gagner un même monde qui est entrepreneur et qui est manager tout, d'accord? Mais un manager pur, c'est un salarié lié, il n'y a pas de business, il travaille pour mettre business. Bon, il y a un business pour un monde, il y a une société anonyme, et donc c'est le conseil d'administration qui nomme. Ça, quand on y veut tout manager, hein? C'est un membre dans le business. Quand y a, ça, c'est le modèle économique qui est développé pour capable faire manager, pas faire des bagailles qui sont contraires à l'intérêt propriétaire. Donc, il fait en sorte que, par exemple, nos sociétés anonymes, nous avons dit PDG, pas vrai? Président, directeur général. Ça veut dire que, non seulement manager, mais c'est un propriétaire tout, parmi les propriétaires dans la société anonyme. D'accord? Et. Donc, manager lui-même, c'est l'objet de l'intérêt privé pour l'autre privé. Pour l'autre privé. Alors que, quand il y a aucun capable de regarder pour dans le cas politicien, ou cap bien, on sort de manager, mais nous pas pour manager, on a pour fonctionnaire, pas vrai. L'objet de maximiser, enfin, l'objet de l'intérêt, pas privé cette fois-ci, un intérêt collectif. Pour la collectivité, évidemment, parce que la travail a payé pour ça. Les fonctionnaires sont qui touchés. D'accord? Ils touchent pour ça, la faire, pas vrai? Donc, c'est pour nous comprendre comme ça. Et c'est normal. Donc, presque que tout manager et fonctionnaire, c'est comme c'est seulement privé, public, qui séparé. D'accord? Mais, c'est le bagage nous parlons plus tard. C'est que manager, les après écouter manager, ils ne pas écouter même gens avec fonctionnaires. D'accord? Par exemple, les apprécutés fonctionnaires, enfin, très souvent, même dans l'autre pays, tu passes à l'Haïti, et à acquaintance politique l'en compte, d'accord? C'est rare dans l'autre pays, par exemple, pour les démocrates à chercher un paquet de fonctionnaires et qui c'est républicain. Sauf, l'autre bagaille pour nous connaître, alors je ne parle pas des fonctionnaires nommés, mais fonctionnaires qui ont fait carrière sont l'autre bagaille. Bon, on ne va pas obligé de composer avec lui, après ça, plus loin. Donc, voilà. Et sinon, par exemple, de la France, nous avons dit tout à l'heure, c'est sous base compétence, pas vrai?
qui a plat. Il va pas de uniquement à comptant, ça compte sans compter, mais il pas là de compter. Ah, un point important. Et il y a un côté pour former politiciens. Ça va dire que tout politicien est obligé de passer par là, mais la majorité politiciens en France, soit ou c'est passé dans Sciences Po, Sciences Politiques, alors il y a les IEP, Institut d'études politiques, étudier Sciences Politiques là, ou alors étudier administration. Administration, vous dites administration ou tout dit public, vous n'avez pas besoin de dire administration publique, vous comprenez au NASA, vous entendez? Même si vous êtes un peu mon abdil, ce n'est pas forcément vrai. C'est pas la foule n'a pas tout le temps. Il y a quelques personnes qui étudient le droit, qui étudient le domaine, l'économie. Donc, l'actuel président en France, c'est l'économie qui étudie. Mais le président. Mais, les gens qui ont passé dans l'école, ils ont parti politique. Et c'est là que je vais arriver. C'est qu'à un moment donné, ça nous a dit apprentissage sur l'État. En fait, l'État, c'est dans un parti politique. Dans le cas d'Haïti, moi, pas identifié en l'école réputée. Entre guillemets, hein? Côté former politicien. Sinon, on connaît, dis-moi ça parce que j'ai besoin de connaître tout. D'accord? Et on connaît avec l'école de droit, mais malheureusement, l'école de droit, on ne pas respecté dans former politicien. On pas respecté du tout. D'ailleurs, entre nous, hein, si nous voulons résoudre le problème de corruption, il faut nous commencer depuis là. Si nous voulons résoudre le problème de justice dans le pays d'Haïti, il faut nous commencer à faut aller dans l'école de droit. Donc moi c'est résoudre là, c'est là mon y a formé, c'est là qu'on a dit tout, d'accord. Il y a des pratiques qui c'est des problèmes jusqu'à maintenant dans plusieurs écoles de droit, pas forcément toutes mais en pile là. Par contre on est un parti politique que nous t'as respecté comme tel pour nous dire oui parti politique ça c'est son vraie école pour politiciens. Sinon qu'on est une même qui vient t'as même identifié parce que OK, c'est un parti qui gagne plus de monde, qui gagne vraiment. Est-ce qu'ils sont l'école en tant que telle? Nous, on doit nous questionner s'ils sont l'école. Parce que, je dis nos bagailles. Chaque fois on parti, pas faire élection, il faut qu'on apprentissage, jeu démocratique, il faut qu'on fait. Chaque fois on parti, pas faire primaire avant élection, nous, on doit nous questionner est-ce qu'ils sont l'école des jeux démocratiques. Chaque fois on parti, chaque élection, c'est toujours même monde qui est réélu hein, comme président. Depuis perpète, pas vrai? Nous en mesure, nous en droit, son droit qu'il vient pour questionner parce que normalement, le jeu démocratique doit permettre que l'autre monde apprenne à diriger tout. Et la meilleure façon pour apprendre à diriger, c'est en poste de direction. Donc si monde n'a pas en poste de direction, il a observé la direction. All right. Donc, pardon. Peut-être nous sommes d'accord avec moi. Il y a un apprentissage qu'un parti politique t'a doué. C'est apprentissage du jeu démocratique et en formation à la politique. C'est-à-dire que ça nous les politiques publiques en tant que telles. Les actions à entreprendre pour maximiser le bien-être collectif. Si je peux, si je suis capable de définir comme ça. Mais attention, c'est pour définir si on peut chercher dans le livre ou pour les mêmes gens. OK. Kounia, merci beaucoup. On nous questionne. Merci beaucoup. Est-ce que le fait est là? La réalité est là. On nous questionne. Est-ce que nous avons imaginé le rapprochement? Bon, nous ne pouvons pas passer par quatre chemins. La réponse est bien simple. Nous avons imaginé. Je me demande pour ça, je suis sorti côté ingénieur. Moi, je me dis tout est possible. Donc, pourquoi pas ça? D'accord? Et c'est qui FD? D'accord? D'autant qu'il en existe des cas. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de cas côté que vous rapprochez. Moi, tout Donald Trump. Moi, tout. Et la cas, nous gagnons tout. Donc, ce n'est pas est-ce qu'il est possible qui question qu'on y a. C'est comment? Et pourquoi? D'accord? Tout d'abord, on ne commence pas pourquoi, même si vous me posez la question comment avant. Pourquoi? D'après moi, parce que du point de vue de la connaissance, où est qu'on y a? Et quand il y a un texte sur ça, oui. Et ça veut dire qu'il y a un cheminement qui fait dans le temps.
des années 90, tu as parlé de public management. Ça, public management, là, on veut dire, management, normalement, c'est dans le secteur privé. Ça existait, puis c'est la game manager, pas vrai? Et puis, ils ont rendu compte que si pour nous, gérer l'État puis bien, la société puis bien, il faut apprendre dans les gens qui gèrent l'entreprise privée. Comment vous faites pour faire business qui marche comme ça et puis laisser son service public qui va marcher? Il y a l'apprendre des outils, des théories dans l'entreprise privée et puis il vient jeter dans le domaine public avec quelques modifications, bien entendu. C'est ça, comme ça, vous créez un champ de connaissances qui est le public management. Et avec le temps, ça a évolué parce que à un moment donné, citoyen, son monde, alors, par définition, citoyen, son monde qui gagne droit et devoir, pas vrai? Son cristallisation de droit et de devoir qui ont citoyen. Avant que l'on monde en tant que tel qui gagne 70% d'eau, pas vrai? Et c'est de l'eau nouillée essentiellement, pas vrai? Puis on oublie ça, non? Si on oublie ça, on a oublié boire de l'eau et puis on a oublié ça. Mais, nous passons des citoyens à des clients du service public. Parce que vous prenez un client qui a plus exigence là pour faire mon cap par le service, pas vrai? Citoyen, politicien, a besoin pour voter, c'est moi, oublié, mais client lui-même, là, si vous votez, c'est comme moi, bas ou cob pour vendre mon produit, je finis bas ou cob là, je vais exiger ou vendre mon produit. Le client du service politique là, il vote parce qu'on présente nos programmes. Après, elle a exigé pour le service qui était dans le programme. Elle a demandé évaluation, elle a fait rapport. Oui, et c'est ça que nous avons commencé à faire. Et c'est tant mieux. Pratique management, rentrer dans l'administration d'État. Nous, après, l'homme dit administration, je ne pas dire public. Parce qu'il est déjà public. Déjà. Donc, l'État, c'est comme si je t'ai dit, c'est une grosse entreprise. Cette fois-ci, comme il y a pile. Actionnaire, il y a plus de propriétaire. Chaque actionnaire est son propriétaire, pas vrai? En fonction de. On partit, n'est-ce pas? Eh bien, l'État a mis une grosse société anonyme. Côté que tous les actionnaires, ce sont les citoyens, les gens dans la société. Alors, il y a plus que ça toujours parce que nous connaissons, même les gens qui n'ont pas le droit de voter, ont le droit dans l'entreprise. Est-ce que nous d'accord? Ah, ben oui. Sinon, on a dit. Les gens qui ont 18 ans, ils ne peuvent pas travailler pour eux parce qu'ils ne doivent pas voter. C'est qui est. Dans le cas, le manager lui-même, il paye pour le travail, produire un service, distribuer un service à la société. Hein, qui c'est, nous avons considéré. Alors, c'est une considération qu'il fait. Hein, ce n'est pas exactement ça. Non? On dit l'État, son société anonyme. Non? On dit ça. Non? Mais considérer pour être capable de faire réflexion. Kounia. Et si nous avons analysé comment, il faut nous garder qui Jean rapprochement ça a fait. C'est ça que nous cherché à comprendre. Si pour le fait, il faut nous préparer pour ça. D'accord? Intellectuellement préparé et il faut passer par le moulage d'un parti politique. C'est ça, me en double formation, une formation à la fois théorique et pratique. D'accord? Théorique, non, l'école formelle, c'est-à-dire que nous connaissons, par exemple, on ne peut pas venir diriger l'État, ou pas, j'aime lire Thomas Hobbes, par exemple. Ou pas, lire le Léviathan, comme le monsieur qu'on a dit, n'est-ce pas? Des textes et fondateurs dans connaissance et sous la sphère publique. Et la gestion de la société, c'est pas facile. Nous disons ça au tout début. Depuis, c'est moins compliqué. Et plus compliqué. Qui est l'autre bagage? Actuellement, en Haïti, nous observons un rapprochement fait, en tout cas, transition en fait, sous forme de parachutage. Et nous avons dit, fait aux États-Unis comme ça. Tout. Et à peu près, nous avons presque les mêmes conséquences. Sauf que aux États-Unis, conséquences nous avons mitigé par le fait qu'il y a un résultat économique qui est là quand même. C'est-à-dire que la croissance économique, ça va bien aux États-Unis. Le taux de chômage est faible aux États-Unis. Le taux de croissance est relativement élevé aux États-Unis, contrairement à chez nous. En France, il y a eu parachutage presque. Et Monsieur Macron est sorti comme ça. Sauf que lui, il a monté quand même parti, d'abord. Et il est sorti comme ça de l'université pour tomber directement au sommet de l'État. Vous comprenez?
chez nous aussi, on est sorti d'une entreprise, du secteur privé, on a tombé dans la présidence. Donc, vous comprenez que formation pratique, là, n'est pas là. Peut-être formation théorique, là, tu es capable là, formation pratique, n'est pas là. Et est-ce que pour formation théorique, là, là, c'est à vérifier aussi, n'est-ce pas? Il faut démontrer ça. Et en général, ce qui est basé au fait, parachutage en fait, et société en d'accord, côté le fait, société en réellement d'accord, yo, c'est sous base que entrepreneur a réussi dans l'affaire privée, donc, li gen en pile chance pour réussir dans gérer l'État. Il y en a qui fait succès dans les affaires, pour qu'il s'en parle pas fait pays, gérer, et nous, qu'on y a, dans la tête, yo, c'est comme si on avait fait analogie, hein, vraiment, que l'État, son gros société anonyme. On d'accord? Donald Trump a fait des business prospères, donc il peut diriger les États-Unis. C'est une généralisation, une analogie qui peut ne pas tout le temps marcher. Elle dit que c'est pas tout le temps, ça, là on fait analogie ça, et puis bon, le résultat on cherche. Et c'est ça. Et nous dit, les affaires privées, il ne faut nous pas oublier qu'elles sont quand même très différentes des affaires publiques. Donc, les WAP fait supposition ça. Non, mais nous fait les NAP voter, nous fait ça, bah ouais, nous dit. Ah, ben oui, nek ça. Son winner, parce que ça nous dit, bah ouais, nous pas voter loser, nous votons winner, bah ouais. Donc, son nek qui fait succès dans les affaires privées, il a une chance pour le faire succès, et donc, nous bénéficié des succès hein, dans les affaires publiques. Sauf que, c'est. Bon, ça fait sens intellectuellement. Mais ça ne produit pas nécessairement les résultats que nous avons. Et on regarde deux trois petites différences que nous capables d'observer entre deux champs, l'entrepreneuriat et la politique. On a pris deux colonnes, deux dernières colonnes. La première colonne, c'est critère. Si nous prenons un critère de source de légitimité, dans l'entrepreneuriat, c'est compétences, c'est expérience, c'est résultats que nous avons capables, hein, performance, et on évalue ça. C'est la fonction qui c'est PDG, c'est entre propriétaire, bon, nous respecter pour ça, pour la fonction. Tandis que dans l'administration publique, c'est parce que nous avons élu. Légitimité, les tirer des urnes, des votes, des popularités. Si c'est un poste électif, pour les gens qui parlent d'un poste électif, tant qu'un ministre, c'est sous base compétence ou bien acquaintance. Et ou acquaintance. Hein? Compétence et ou acquaintance. Maintenant, il faut peser dans la balance qu'est-ce qui est plus. Est-ce que c'est plus compétence ou c'est plus acquaintance? Nous connaissons, si vous ne pouvez passer l'autre temps, le résultat n'est pas forcément le même, n'est-ce pas? Hein? Et deuxième critère à considérer, c'est l'autorité quand même. Si on est en poste, il faut être capable d'exercer l'autorité. On dit autorité, on ne dit pas pouvoir, non? Demandez à Max Weber, il a fait différence très très bien pour vous. Autorité, très très différent de pouvoir, d'accord? Et source autorité, enfin, respect autorité, pas source. Non. Et dans l'entreprise, eh ben, autorité ou entrepreneur, pas j'aimerais mettre ça en question. Qui est-ce que c'est propriétaire, ou pas le questionner ça? Qui est-ce que c'est manager? Bon, vous êtes manager, vous ne pas questionner ça en général. Sauf si vraiment, il est très incompétent de manière évidente. Et dans l'administration publique, c'est presque tout le temps qu'on remise en question. Presque tout le temps. Alors, à tort ou à raison, d'accord? Et si nous prenons un critère d'un coup, exercice, comment on exerce l'autorité à Konya? Alors, on parle de respect seulement. Comment on l'exerce? Là, dans l'entreprise, c'est la bureaucratie. On sait qu'est-ce qui va arriver parce que la bureaucratie, c'est Nicolas Grand-Guillaume qui a écrit un livre. Il y a un livre, il y a l'éloge de la bureaucratie. Alors, ce que tout le monde a critiqué la bureaucratie, il s'est fait éloge. Il dit, ouais, bureaucratie, hein? Alors. Mandé Max Weber, les cadres à tout, dans trois modèles de leadership, le modèle rationnel légal, en fait, c'est plus ou moins la bureaucratie. Ça veut dire que nous connaissons, si vous faites tel bagaille, mais telle étape, ouais, tel monde, pas payer tel bagaille. Tout le monde connaît, nous pas besoin à réfléchir. Maintenant, vous pouvez mettre sous pilote automatique. C'est comme une machine. D'ailleurs, il y a un monde devant là, il dit, écoutez, ça est ça où tu me fais. C'est ce qui m'a fait. Tandis que dans le cas de l'administration publique, là,
c'est la démocratie. Démocratie, d'accord? En fait, c'est l'été dans l'école biblique, là, le pasteur dit démocratie. Démocratie. On va capter de très bien, est-ce que c'est démocratie là, ou que c'est démocratie? Nous comprenons ça, m'a dit, hein, bon haïtien, pas vrai? Parce que sous base démocratie, nous cachons tout le bagage, pas vrai? Démocratie. Et en termes de stabilité organisationnelle, parce que quand même, il faut que le bagage opère, dans une entreprise, il y a une cohérence interne. Une cohérence interne. Je ne vais pas entrer dans la physique avec nous, sauf si il y a des gens qui sont fans de bagage. Je ne vais pas parler d'entropie, qui c'est l'énergie qui fait que un corps est stable, il n'est pas désintégré. Hein? Sinon, on a un big bang chaque jour. Pas vrai? Et dans le cas administration publique, parfois il y a une cohésion, parfois il y a une stabilité, mais parfois c'est le chaos, parfois c'est l'opposition. En tout cas, l'opposition est quasi permanente parce que depuis qu'il y a un parti en poste, vous mettez qu'on est forcément en opposition. Dans une entreprise, il n'y a pas tout le temps comme ça. Rapport ressources humaines. Rapport moun ak moun dans deux types d'organisation ça yo et bon yo multiple yo complexe nous connaît yo pas même si la loi t'en a rapproché yo on prend un aspect simplement pour me dire si c'est une entreprise privée que mieux non entreprise donc entrepreneuriat on capable employer on capable renvoyer on capable séparer de un monde que pas ta même travail ensemble d'accord. C'est les règles établies par la loi, bien entendu, parce que nous ne pouvons pas abuser. Non? Et dans le cas de l'administration publique, là, donc j'ai compliqué, oui. Les gens qui ont fait carrière dans l'administration publique, là, ou viennent joindre là, ou pas censé envoyer. Sauf si vous faites faute grave d'après la loi. C'est faute grave qui permet ou débaucher, enfin, ou envoyer un fonctionnaire. Dans la fonction publique territoriale, il y a un gros problème au niveau ça actuel. Depuis quelques années, parce que moun yo pas respecté règles, moun k'ap fè carrière. Et c'est gros bagay. Au niveau relationnel, c'est toujours très important. Et dans l'entreprise, c'est important que vous motivez moun yo. C'est-à-dire que nous prenons motivation, c'est bon bagay. Même si vous mettez motiver les gens, mais c'est en fait, c'est pas transitif, non, c'est créer les conditions pour moun yo motiver ou pas ka motiver un monde. Nous content de moun k'ap di, y a pas fait campagne motivation nous-même, puis nous dit ça non. Attendez. Ou ka inciter un monde, ou pas ka motiver. Motivation c'est énergie interne ou pas activer. Pour moun qui fait chimie, on connait ça l'énergie d'activation. C'est dit que ou ap créer conditions pour on ti flamme li men dans moun nan et puis moun nan ti flamme ça fait moun nan travail. Pas vrai? Donc c'est ti flamme nan li men. À limite ou ka font divante tout le fin li men, pas vrai? Mais et ou pas qu'à motiver mon en tant que tel, ou qu'à créer conditions pour le motiver. Mais dès pour fin motiver mon là travail, pas vrai, parce que d'ailleurs une source motivation c'est payer mon bien, pas vrai. C'est pas ça non, mais il y a d'autres. Et dans l'état, si ça t'arrive que un monde tout effort fait pas motivé, ou pas qu'à dire embarquer non plus. Il y a un monde qui dit ça ici déjà, pas vrai, ça que pas content embarquer. Mais normalement on pas supposé dire ça dans l'état. Ou bien, on va pas dire président parler et puis c'est fini. On va pas dire ça. On pas supposé qu'a dit ça. Bon, il y a même qui dit ça mais il va pas ta supposé qu'a dit ça. Qu'il y a pour me pas parler trop pour me quitter place pour nous qu'a parler. Bon, fini rapidement pour me dire phénomène là, nous on doit pour me questionner et résultat, est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? En tout cas, ça n'a pas gardé réellement. Et nous n'y a pas nécessairement formé à la politique, nous n'y a pas nécessairement